Bonjour YouTube, du coup on se retrouve debout pour une nouvelle vidéo. Donc c'est tout simplement le sub goal des 3400. Donc vous le savez, je suis un homme spécialiste des chemises et pas n'importe lesquelles, c'est à dire que plus elle est vilaine, plus je la choisis. Donc aujourd'hui vous avez la possibilité de noter mes chemises. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'en ai à peu près 36. Donc ça en fait un bon petit paquet. Et je vais du coup demander au chat de les sélectionner. Après on fera un tri, on fera de la plus belle à la plus laide. Du coup, on y va. Bon, on va plus le mettre du côté droit du coup parce que les chemises sont à gauche. Tac, voilà. Bon, déjà on va commencer par celle que j'ai aujourd'hui, messieurs dames. Je suis bien évidemment le mannequin de la journée. Donc c'est une chemise mi-diable, mais on est sur une version fraise et chocolat. Attends, on va mettre chemise diable. Sur 20, vous lui mettez combien? On va prendre le chiffre qu'on voit le plus. Donc on est sur une chemise bicouleur, vanille chocolat. Un 10 sur 10, un 9, un 15. Sur 20, hein, les gars. Ah ouais, il y en a qui disent nul, quoi. Bon, je vois beaucoup de 16, de 18. On part sur 16. Il y a une bonne moyenne de 16, là. Allez, on va mettre 16. Chemise diable, on va mettre 16 sur 20. Voilà. Donc, on a la première chemise. On a la chemise flamant rose que vous avez vue il y a 2 jours. L'une de mes préférées, bien évidemment. Chemise flamant rose. Avec, bien évidemment, une couleur bien palpable. On lui met combien sur 20, messieurs, dames? Augmente la taille de la police. Ah ouais, c'est vrai. Attendez. Hop. Oula. On est sur une meilleure qualité quand même que la précédente, j'ai l'impression. On part sur... Qu'est-ce qu'il a dit? J'aime Sixen, pas celle-là, donc 20-20. Je te kiffe Sixen, mais j'aime pas celle-là, donc 20-20. En vrai, c'est compliqué. En vrai, il faudrait faire venir un expert, je pense. L'avis du chat. En vrai... Je pense que vous allez élire. On va faire autre chose. On va élire la Christina Cordula du chat. Est-ce que vous êtes chaud? On va faire un tirage au sort et cette personne-là va venir en vocal avec moi. Et ce sera l'homme du peuple, messieurs, dames. Et c'est lui qui choisira parce que sinon on va pas s'en sortir, faire une moyenne. Donc préparez-vous. Parce que les sondages, c'est trop dur. Donc, je vais faire un giveaway sur le papier. Vous allez participer, vous allez voir. Create giveaway. Point d'exclamation chemise. Hop. Point d'exclamation chemise dans le chat si vous voulez venir avec moi sur Discord. Donc bien évidemment il faut avoir un micro à la hauteur. Et après je vous fais venir du coup en tant que représentant légal de tout ce qui est chat. Je suis pas objectif, j'aime toutes les chemises. Ouais mais bon. Est-ce que les modos vous êtes chauds? Parce qu'en gros quand l'homme du peuple va parler, vous allez mettre un sondage oui ou non si le chat valide ou pas sa décision. Pourquoi tu ne fais pas un Stropole? Parce que c'est trop long, frère. Ce qu'on va faire, les modos, si vous êtes chaud, bon, il y aura 36 votes, du coup, faut être chaud. En gros, dès qu'il donnera une note, vous allez dire oui ou non, et si la majorité l'emporte, on valide. Allez, hop, on tire au sort. Donc, hop, point d'exclamation, chemise, ça tombe sur bouteille d'eau. Est-ce que bouteille d'eau, tu es là? Si oui, attends, je te mets le Discord, bouteille d'eau, et les autres, vous pouvez venir aussi sur Discord. Viens sur Discord dans un channel avec ton pseudo et je te switch. Est-ce que bouteille d'eau t'es là? Ok, bouteille d'eau il a l'air plutôt sur une bouteille de Javel là, non? Il est pas là. Bon, on va en tirer un autre, parce que bouteille d'eau, il a mis point d'exclamation chemise, mais bon, il est à moitié là, quoi. On y retourne, du coup, ça tombe sur Elzance. Elzance, est-ce que tu es là? Si oui, viens sur Discord avec ton pseudo. Voilà, Elzance, viens sur Discord. Va dans un channel, je te switch.
Avec le même pseudo, bien évidemment. Elzance, es-tu là? Merci Vougo pour tes 3 mois. Monsieur Elzance qui a du mal encore à trouver. J'ai pas le même. Point d'exclamation Discord. Courage, tu peux le faire. Point d'exclamation Discord, tu viens sur Discord. Et tu viens dans un channel. On va y arriver. Prends Luxette. Mais au pire, viens aussi Luxette dans le channel. Et Luxette sera la voix féminine de la plèbe. Donc Luxette va aussi donner son fin mot. Donc Luxette, je t'invite à me rejoindre. Sansoi son pseudo. Allez, viens Luxette. Sansoi son pseudo. Non, c'est Sansi alors du coup. Sansoi. Non, c'est pas Sansoi, c'est Sansi. Monsieur, est-ce que tu es Sansoi? Bonjour à toi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu es Sansoi? Hello. Hello, hello. Est-ce que tu es Sansoi, monsieur Sansi? Oui, oui, c'est ah, bon, c'est voilà, bon. Enfin, au bout de la quatrième fois. Merci Diodiop pour ton prime. Donc, aujourd'hui, tu as une grande responsabilité. Le chat entier te regarde et compte sur toi pour dire une note vraiment correcte. Donc, on a Sansoi et on a Luxette qui représente la gente féminine. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, capture de fenêtre, pourquoi ça marche plus là? Ah oui, c'est à droite, ok, c'est bon. Donc, est-ce que déjà tu valides le 16 sur 20 de la chemise diable? Ouais, franchement, allez, 15. Peut-être pas 16, 15, allez. Bon, on met une ouais, sympa. Par contre, fais gaffe, j'ai le permaban facile. Alors, du coup, on y revient. Je te laisse reprendre goût à ce visuel du flamant rose. Flamant rose, couleur quand même assez fleurie. On est sur des animaux de type farfelu. Tu lui mettrais combien? Ah, le design est quand même sympa après. Couleur rose, bon, ça change. Ouais. Après. Sur 20, hein, bien évidemment. Ouais, ouais. Ouais, allez, 14. Est-ce que Shazam peut valider 14, oui ou non, dans le chat, s'il vous plaît? Histoire qu'on ait l'avis du peuple. On a un 14 qui a été balancé par Sansoi Cordula. Il a pissé sur ma chemise. D'ailleurs, mais le sondage, tu le mets genre 30 secondes. Tu mets 30 secondes au lieu d'une minute. Oh putain, y'a tout le monde qui vote non, frère. Bon, ok, c'est un non. Donc déjà, la chemise, ils veulent soit la revaloriser, soit la descendre. Est-ce que vous dites plus ou moins, les gars? Si vous dites plus, on part sur un 16. Si vous dites moins, on part sur un 12. Plus ou moins? Plus. Oui. Ok, bon, tu sors, Sansoi. Tu seras... Chemise flamant rose. Bon, je sais pas comment ça s'écrit, rendez pas fou. Hop, on va mettre un 16. 16 sur 20. Voilà, bien content. Sachant que bon, elle était quand même, elle faisait partie de l'excellence, quoi. Chemise flamant rose. Qu'est-ce que ça va être sur la suite? Nous avons la chemise open. La chemise néon. Avec des open au niveau des manchettes. Si jamais la game se passe mal, on a juste de se mettre de profil. On est sur des couleurs assez flashy. Qu'est-ce qu'on vote? Ah là, c'est compliqué quand même. Ah ouais, là pour toi, tu as envie de vomir, c'est ça? Ah, celle-là, c'est pas mon style, ouais, pour le coup. Ah ouais, donc là, on a affaire à un non-amateur des chemises, donc ça va être dur. Ah si, par contre, si. J'en ouais. mets beaucoup. Ouais, mais tu mets... Ouais, c'est... Ouais. Mais on est sur du haut de gamme, là, monsieur. Ah... D'ailleurs, Luxette, est-ce que tu as dû... Ouais, Luxette, ouais, j'ai besoin d'un avis, ouais. Mais open sur la manchette, ça vaut forcément plus 5 points, c'est obligé. Bon, c'est plus 5 points. Donc, donne ta note. Dégueulasse, mais sur toi, ça le fait. Un point par rapport à quoi, du coup? Moi, je mettrais un 17, personnellement, pour celle-là. Parce que lui, il mettrait 12, on lui fait plus 5 avec le open sur les manchettes. Ouais. Ah non, c'est vraiment belle, il y a plein de points là-dessus. L'open, ouais, petit flamant rose aussi encore, si on voit quand même la petite note... C'est un 17 pour la chemise de néon. Attends, je vais mettre que le néon. Néon, tac, 17 sur 20. Est-ce que le chat, il valide le 17? Ok, bon, c'est validé. C'est bon. Allez, on a un bon ratio déjà.
Bon, le live n'a strictement aucun sens, ça s'est jamais arrivé sur Twitch, mais aujourd'hui on fait quelque chose d'atypique. Donc, vous avez la chemise ananas, donc la chemise blanche avec juste les détails suffisants pour mettre en avant le côté cocotier et, voilà. Et fruité. Comme tu voilà, c'est sobre, c'est classe, voilà. On peut aller en repas de famille avec, on passe inaperçu. Voilà. Sur 20, on est comment? Un petit 18, ouais. 17, ah ouais, 18, toi tu aimes le blanc propre. Ouais, okay. Ouais. On cherche la fraîcheur. La sobriété, en fait. Franchement, ouais, je crois ouais, qu'ils aiment les trucs sobres. Que dis-tu, madame Luxette? Non, moi je suis plutôt d'accord. Genre, tu vois ton mec avec un bon petit Ricard dans les mains devant 2-3 2-3 cacahuètes avec la chemise ananas. Ah, franchement, ouais, c'est très bien. Un petit pastaga. En plus, ça peut se porter à l'extérieur sans être trop extravagant. Mais voilà, c'est ça. N'hésite pas à nous rajouter des petits shorts qu'on pourrait acheter avec Luxette pour trouver des combinaisons parfaites. Donc, partout. On part sur un 18, validé par Luxette et validé par l'homme qui n'aime pas les chemises. Allez, on continue. Alors là, celle-là, c'est ma spéciale, c'est pour les soirées arrosées et les soirées date avec les enfants. Hop, regardez. Hop, regardez. On est sur quelque chose de type carling. On est sur de la douceur pure. Merci Iron Intox pour ton sub. Voilà. Celle-là, c'est la spéciale. Celle-là, tu peux aller dans une église, tu peux aller à Ok Choral, tu peux faire des bar mitzvah, tu peux faire des soirées au bord de l'eau. Ça passe tout le temps. Oh merde. Par contre, les gens qui disent qu'elle est moche dans le chat, je vous interdis. Non, là je veux que tu prennes un maximum de recul. Fais comme si tu aimais les chemises. Et mets-toi dans la peau de quelqu'un qui aime les chemises un peu spéciales. Genre, on est comment, là? Ouais, franchement. Aïe. J'arrive pas à être sérieux avec. Non, mais ça, gros, tu vas au lycée avec. Genre, tu ne peux pas pas pécho, c'est pas possible. Regarde, avec un bon jean blanc, des bonnes petites chaussures pointues. Ça passe impec, regarde. En vrai, tu vas au lycée, toutes les meufs qui adorent les animaux vont être en mode « Oh, c'est... » Voilà, bien, Luxette, alors donne-moi ta note, s'il te plaît. Ça date. Moi, je peux pas la mettre autant que l'ananas, et je vais lui mettre un petit 14, en vrai. Ouais, 14. Moi, je suis à 13-14 aussi, Est-ce qu'on valide le... Est-ce qu'elle est mignonne? Est-ce qu'on valide le 13-14 dans le chat? Là, on a besoin de l'avis du chat, là, c'est important. Ouais. La chemise caroling. Il y a du monde, qui avait mis à peu près ça, En vrai, il y en a beaucoup qui ont mis 10, il y en a beaucoup qui ont mis 20, je pense que... Ouais, je pense qu'on va trouver une moyenne. 13. Allez-y, vous pouvez voter. Est-ce que vous validez le 13-14 sur une chemise? Ok, bon, c'est un oui. Donc, on va mettre chemise carling. On va lui mettre un bon 13, un 13 bien mérité, venu tout droit des enfers. Voilà. Donc, alors, celle-là, mes amis, c'est la chemise que je peux mettre pour sortir, pour aller manger des burgers sur Aix-en-Provence, pour faire un dîner romantique avec ma chérie. Je peux, par exemple, la mettre chez moi pour pyjama au cas où. Ça peut faire aussi pour l'apéro. Vous la mettez sur la table, ça vous mettez les saucissons dessus, ça passe. Elle est vraiment polyvalente. C'est sobre, il y a de la couleur. Vous pouvez tout faire avec. Combien tu lui mets? Non, mais en vrai, elle est... Moi, je mets 20. Ouais. Je suis très objectif, c'est pas du tout Shazam et moi qui te l'avons offerte en plus. C'est vrai. Mais je mets 20, du coup forcément. Moi, pour moi, c'est ma préférée. En termes de classe, c'est-à-dire que celle-là, tu la mets avec un bon petit pantalon, ça peut se mettre avec n'importe quel pantalon. Vous avez des traces de blanc, vous avez du orange, vous avez du vert, ça passe de partout. Est-ce qu'on valide le... Moi, pour moi, c'est 19 ou 20 celle-là. Après, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Sansa? Ah, j'ai pas vu la suite des chemises encore, mais ouais, elle vaut au moins 19, ouais. Est-ce qu'on valide le 19, Luxette? Allez, valide le 19. Allez, on valide le 19. Elle est vraiment trop belle. Oui, c'est Shazam et Luxette qui me l'ont fait cadeau. Alors, chemise. On va dire chemise verte, couleur, voilà. On va mettre un bon 19, bien mérité. Donc, vous avez... Alors, celle-là, c'est pour les journées au zoo ou en forêt. Vous pouvez vous la mettre d'une façon assez polyvalente. Vous avez des fleurs un peu dans tous les sens. Elle est très légère. Vous pouvez la porter d'une façon convenable où que vous alliez. Vous pouvez faire une soirée bateau dessus. Celle-là, on est sur quelque chose de fleuri, de type manche retroussée. Qu'est-ce que tu me dis, mon cher Sansa?
À 18, c'est ce que je porte aussi comme style de chemise, donc Ok, donc on ouais, commence à cerner la nickel. personne. Madame Ouais. Luxette. Non, c'est bien, ouais, 17-18, c'est une chemise qui se met facilement, qui se porte Ouais. avec à peu près tout Ok. type de fringues, donc Est-ce que vous validez tu le peux les mettre 18, le partout. chat? Oui ou non? Parfait pour l'été. Un très gros 17. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle le mérite. Vous avez dit combien? 18, hein, c'est ça? Ok. Bon, on valide le 18. Chemise à fleurs. On va dire chemise. C'est quoi ça? À fleurs? Chemise à fleurs. Chemise à fleurs 1. Allez, Cette 18 même. sur 20. C'est pas la seule, je crois. Oh, je sais plus. Voilà. Hop, on est reparti sur une chemise bicouleur. Donc celle-là, c'est encore la version ananas, mais pas que. On a de l'autre côté un côté ananas plus sobre. Donc on a une variété du coup de couleurs. Du coup c'est le chaud et le froid. Vous avez du coup cette panoramie. Voilà, on a une seule manche qui est blanche. Derrière, voilà, c'est du noir only. Celle-là, elle passe. Combien Ouais, tu donnes, moi Sansa? je la trouve quand même assez propre aussi, ouais, un bon ouais, 17-18 je pense. Luxette? Et ouais, pas Ah, mal, je valide, hein. Est-ce que le Ah ouais. chat vous validez 18? Ah, y a beaucoup de vin quand même, ouais. Beaucoup de gens qui veulent du vin là. Ah bah, pour moi, c'est un peu ma chemise Hein. préférée, celle-là. Avec Ah. celle qui fait office d'apéro. Allez. Donc, on va D'ailleurs, je me demande valider. si c'est pas Shazam et moi aussi. Peut-être. Non, mais on avait été trop bon goût aussi, c'est pour ça. Allez, il y a le nouveau. Est-ce que ça valide? Attends, je sais même pas s'il a voté le truc. Que 18. Oh, il y en a beaucoup de vins. Hein. Genre, en vrai, vous l'aimez bien, celle-là. Bon, alors celle-là c'est ananas Merci. noir et blanc. Vu que c'est bicouleur, on va mettre un beau 18 alors. Tiens, il y a le vin quand même, il veut le vin. Hein. Moi, le vin, Donc, j'ai envie de le bon. garder pour vraiment après la Bon, chemise on qui va va mettre être 19, on va faire impeccable, quoi. l'entre-deux. Vraiment, c'est la Ouais. chemise haut de gamme. Alors, on a. Alors, celle-là, c'est la chemise quand tu veux faire rire tes potos quand tu es en soirée. Donc, c'est la chemise chat noir. Celle-là, vous pouvez la porter avec n'importe quoi, un jogging, un short, des pantoufles. Elle va avec tout. Elle est rose bonbon avec des petits chats noirs. Regardez, ça porte pas du tout l'œil. Tu passes, tu marches tranquillement au marché nocturne avec ta copine. Personne te repère. Tu es là, personne s'approche de toi. Ben, si, pour tout ce qui est Covid, vous éloignez les ennemis de vous parce qu'ils ont peur, parce que vous êtes malchanceux. Merci Deleted pour ton sub. Voilà. Celle-là, chemise noire, enfin chemise rose, chat noir. Qu'en dis-tu, monsieur Sanson? Sensor. Ouais, elle est quand même propre. Après, ça reste du sobre encore, donc moi ça me plaît de base. Oh, Donc ouais, un bon 16-17. sobre, ouais. Un On peut combien mettre tu as des dit? points en plus, pareil, si tu la mets au lycée. Ouais. Si tu la mets au C'est du. lycée. Elle craque pour les petits chats. Tant qu'elles sont Voilà. pas superstitieuses, parce que j'aimerais. Bon, Madame après, moi je tiens à Luxette. dire, le lycée. Non, mais c'est cool. Hein. Bah, on essaie de parler aux gens du chat. Ah ouais. Parce que là. Il y a beaucoup de. En fait, ça varie souvent entre 14 et 17, là, leur truc. Ou 12 même. Bon, il la voit un peu plus basse, celle-là. J'ai Peut-être 15 l'impression du que. coup. Un Si 15? 15, je pense que c'est pas mal. Ouais, pourquoi pas, ouais. Allez, bon, on va partir sur un 15. On 15, ne ouais. demande pas l'avis du chat sur celle-là. Dans tous les cas, j'ai Ah, les pris gens, la moyenne. Donc, du ils coup, notent chat ça, là, noir. certains. On part sur un 15 sur 20. Hop. Allez, on continue. Bon, est-ce que vous kiffez le chat là? Est-ce que ça vous met bien là mes chemises? Comme ça vous les découvrez en même temps que moi. Parce qu'il y en a que je me rappelle même plus que je les avais. Alors, vous avez une chemise, bon ça tu vas aimer je pense sans soi. On a une chemise sobre, noire, avec des petits carrés pour... Bah, pareil, si tu veux te la mettre sur Ouais, la on en a table un peu avec des de saucissons dessus. On dirait que c'est une nappe, voilà. C'est plutôt sobre, ça passe avec tout. Petit pantalon blanc, petit pantalon noir, elle est plutôt sobre, regardez ça. derrière, c'est une nappe. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Classe, ouais. 19. 19? 18-19, ouais. Ouais, Ok. direct. Luxette? Bah, elle est quand même moins belle que Elle est moins l'ananas et originale. la chemise verte. Ouais, elle est jolie, elle est très Ah jolie, hein. Mais elle est moins originale et elle sort un peu moins C'est sûr que de ce niveau que j'ai vécu, originalité, mais. on Je n'est pas mettrais plus dessus. un 17, tu vois. Un 17. Bon, on va partir sur un Elle est quand même 17. très jolie. Noir. Ouais, ça se Hop. spammait les vins. Allez, on va partir sur un 17. Voilà, on va mettre chemise noire apéro parce qu'à tout moment tu fais un apéro sur cette chemise. Donc, bon, les sobres comme ça, là, bon, j'imagine que ça va plaire à la majorité, mais bon, ça, c'est un genre de polo chemise. Mais bon, c'est pas moi ça. Voilà, alors,
Celle-là, c'est la carte Joker. Si jamais tu fais un Monopoly entre potes et que tu veux le déstabiliser, tu prends cette chemise. Donc c'est la, c'est la chemise Léoport. Donc celle-là, c'est pour mes jours de tournoi en général quand je veux faire le show. Donc celle-là, je peux t'assurer que si jamais tu aimes les cougars et que tu vas en boîte de nuit, il y a moyen que tu pécho. Donc, faut faire attention aux petits détails parce que vous avez le petit, regardez, une petite poche. Enfin, c'est pas une poche, c'est là tu peux mettre carrément ton prénom, ton pseudo, tu peux tout mettre. Tu peux mettre ta place de parking ici si tu veux écrire. Et voilà, tu as chemise Léopard, vraiment bonne dans toute situation. Tu peux mettre le string qui va avec, ça te rajoute du charme. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, quoi. Alors, monsieur Santiago, toi qui aimes les chemises sobres, qu'en dis-tu? Alors là, le style est particulier. Hein. Par exemple, une chemise comme ça, je mettrais pas de pantalon, hein, c'est clair. Ah voilà, d'accord. Parfait pour aller au Cap d'Agde. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas trop mon délire à 14, ouais, 14-15. Ok, madame Luxette. Genre ton mec, sympa, là, ton mec actuellement, tu le vois avec cette chemise Léopard, là. Tu lui sers son petit martini rouge en bord de plage. Combien tu, en termes de séduction, à combien tu as envie de toucher la nuque? En vrai, avec un moule bite, tu vois. Ouais. Mais cuir, cuir le moule bite, c'est important. Bien sûr, forcément. Ouais. Toujours. Je sais pas. En fait, c'est le rectangle noir qui. Qui s'appelle la diff, hein. Ah ouais, ça fait la merci diff, Toshiro pour ton prime. Ça habille, ouais, hein, ça habille quand même beaucoup. On va dire 14 parce qu'on va être gentil, mais c'est vrai que celle-là. Ouais. Cosplay Nidali c'est très bien aussi, mais du coup. C'est pour les cosplays, le jour, on sait jamais. Bon, on va mettre un 14 aux chemises Léopard. C'est un Léopard. Cosplay Mac après quoi. 14 sur V. Elle est immonde la Léopard en vrai, frérot. Plus elle est belle. Alors, si jamais tu es un grand joueur de Mario Kart et que tu joues Donkey Kong, à tout moment, tu peux sortir la chemise banane. Ni bleu, ni banane, fruits et raisins secs, nous avons tout ici. Il y a tout dans cette chemise, tu peux le porter avec un short, tu peux le boire à l'apéro, tu peux aller à la plage avec, tu peux aller dans des soirées déguisées, tu peux aller de partout avec celle-là. Pour moi, elle est incroyable. Voilà, c'est quelque chose... Bah, pour ceux qui aiment les bananas split, on est sur la chemise que vous pouvez mettre du coup quand vous sortez. Alors, il y a beaucoup de vin. Je pense que ça va se jouer entre 18 et 20. Là. Ouais, franchement, ouais, elle est propre, hein, celle-ci. Pour... Ouais. Un petit été comme ça, là, voilà, tu sors balader en ville, voilà, hop, on est d'accord. Petit bord de plage. Alors, est-ce que vous êtes propre, plus entre 18 ou 20 là? 19. 19, on fait l'entre-deux. En vrai, franchement, ouais. je la mets presque, je l'avais à peu près au même niveau que les deux autres que j'ai. Est-ce qu'on pourra modifier une note à la fin oui, si on n'a pas mis à la 20. Fin, voilà, une fois que vous avez tout vu, vous pourrez peut-être revenir sur quelque chose. Il nous faut la gagnante, quand même. La banane. Alors, vous avez... La chemise pour les skaters. Donc je sais qu'il y a des skaters dans le chat. La chemise violette un peu urbaine avec des petits trucs écrits dessus. Voilà, Neon Street. Voilà, on part sur quelque chose de type urbain quoi, messieurs dames. On est sur de la colorie violette. Combien tu l'as mis, monsieur Sanso? Un peu, ça fait un peu fouillis quand même dessus, hein, au niveau des couleurs et tout ça. Ouais, c'est un peu le bordel dessus. Un 12. Allez, 13. Ouais, 13. 12-13, ouais, par là. Luxette ? Moi j'aurais mis un peu plus parce que je trouve les couleurs. Attends, au contraire. Ils sont entre dégueu et 12 joli, là dans le chat. Allez, on va valider le 12 du coup, peut-être. Bon, on va garder le 12. Allez. Ah, y'en a un qui a mis 2. Tout à l'heure. On va dire la street violette. Ça a pas fonctionné là. 12 sur 20. Bon, celle-là, l'alchimie est pas passée, messieurs dames. Gragas sur 20. Vous avez le côté un peu pour ceux qui aiment les safaris. Le côté voilà, le côté savane. Merci Cortex, Cortex 5 mois. Si vous aimez tout ce qui est savane et un peu tendance zèbre, vous avez les deux coloris. Donc on est sur quelque chose de sobre, un peu avec des plantes et tout. Qu'est-ce que tu nous dis, monsieur Sanso? Alors j'adore les zèbres. Donc ouais. Non ouais, un bon 17, ouais. 17, ouais. 18, c'est du sobre, classe encore une fois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Franchement, allez, sobre, un bon classe, 17. Efficace, y'a rien à dire. Zèbre, 17, sur V. Allez. Bon, attends, ils ont l'impression... Enfin, j'ai l'impression qu'ils reviennent un peu sur la parole. Ils sont plus sur un 15. Bon, on va mettre 16. On va descendre un peu avec le chat. Ouais. Voilà.
Alors, vous avez une nouvelle chemise, c'est un peu la chemise Picasso, c'est-à-dire qu'on dirait un peu une chemise blanche que tu as fait, enfin, tu as fait dessiner ton frère de 6 ans dessus, avec vas-y, fais-moi une maison, il te fait des trucs comme ça. Ça n'a aucune Elle représentation réelle, mais ça fait est quelque chose. magnifique. Merci Target Du pour tes visage, 4 mois. non? Ben, je sais pas ce que c'est des... Non, je sais Moi, je pas ce l'aime que trop c'est. celle-là. Elle est Ouais, jolie, j'aime vraiment elle est beaucoup. sobre, on a quelque chose de réel. C'est Picasso sur 20, ça, là. Ouais, c'est pas mon délire. Il y a des effets 3D, regardez derrière, on a des. Ben, je sais pas ce que c'est toujours. Ah oui, il y a des petits visages là, il y a une bouche là, ici. Là, il y a une bouche. Ah là, Ouais, il y a c'est un ça, c'est des œil. Ah ouais, visages. c'est tout, ouais, ok. Bon, on est parti sur un 17, j'ai l'impression, en termes de moyenne, 17 ou 18 dans le chat. Ouais, ça reste. Bah, il y en a qui aiment vraiment beaucoup. En fait, je pense que il y en a qui C'est l'aiment tout rien vraiment là. beaucoup Donc on et il y met en a qui l'aiment 17. pas du tout. 17 Donc, sur 20. ouais. Il y a quand Picasso même aussi. plus de gens qui l'aiment beaucoup. Donc, On va l'appeler la chemise de Picasso. Ouais. Alors, on y retourne. On a le côté un peu safari, mais cette fois-ci du côté de la mangue et de la pêche. Donc on a rouge et blanc. C'est quasiment la même que la noire et blanche de tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Donc les Celle-là, on couleurs. est sur quelque chose de très coloré, quoi. D'ailleurs, il y a un sacré plus. Que Ouais, dis-tu, monsieur Vincent? copier-coller. Ouais, même chose, hein, même note. Peut-être Même un point note? de moins ou un point de plus, je sais pas, vu que c'est rouge. 17. Ça change un peu. Moi, je mettrais un point de plus parce que Ouais. justement, c'est une couleur qui change un peu par rapport à... Ouais. Enfin, pas par rapport à tes chemises, puisqu'elles sont toutes plus ou moins roses. Du Mais par rapport coup. au commun des mortels, Plus ou moins, du coup, j'aime par bien. rapport à laquelle? C'était la Plus, moi, zèbre, je c'est dirais. ça? Ok. Ouais. Zèbre. Bon, rose, enfin rouge. Un point en plus. Point moins direct 4 sur 20 direct. Mauvaise décision, merci pour ton prime. Le chat il préfère un peu un moins quand même. Bon, on va mettre 15. Allez, on va 15 sur 20. Vous êtes dur. Ils sont durs, mais c'est eux. Alors attention, la spéciale pour aller à McDo, Burger King, KFC, ce que vous voulez. La chemise pour les burgers. Basé avec les popcorn et tout ce qui est sucrerie. Celle-là, frérot, tu vas dans Retour dans le passé. C'est du jamais vu là. Regarde-moi ça. On est sur quelque chose de très qualitatif. Qu'est-ce que tu nous dis, toi qui aimes du coup tout ce qui est sobre, monsieur Sanso? Ah là, ça devient compliqué là, hein, par contre. Est-ce que tu kiffes le petit détail du burger au niveau de la collerette? Ça c'est... Ouais... Je suis pas fan quand même là. Là c'est... Est-ce qu'on aura la première chemise en dessous de 10, les amis? Un 10, ouais. Il y a pas mal de gens là qui spam 10, ouais. Ouais, moi j'aurais pas mis plus Ouais. que 10 en vrai. En Ouais, vrai, quand t'es serveur dans un McDo, oui, tu vois, genre ouais, tu peux dire ça que c'est trop passe. bien, tu vois. Tu Mais t'es pas travailles. serveur Ouais. dans un McDo. Ah, c'est le genre de Ok. tenue d'employé en fait. Bon, vu que le chat c'est en C'est train de clair. démonter. C'est en train de démonter la chemise, on va mettre un point en moins que 10, du coup on va mettre 9. Histoire qu'on l'a démolie. Alors, on a quelque chose Après, de tu vois, plus. pour des soirées déguisement, c'est sympa, Voilà, c'est hein. pas mal. Même les frites, elles Si vous voulez pleurent. une Les petite gens, ils sont... chemise pour choper de la gazelle, vous avez une chemise près du corps un peu cintrée, Teddy Smith en plus de ça, regardez, petite blanche avec des petits points noirs. Merci Mino pour tes 3 mois. Celle-là, c'est si tu veux être classe, qu'est-ce que tu prends, monsieur Sansa? Forcément, là pour moi ça passe totalement. Après, comme dit, ouais, c'est sobre, c'est peut-être un peu simple, mais ouais, 16-17, parce que c'est simple quoi. D'accord. Elle On voit est souvent les motifs. 16. simple, efficace, Ouais. mais sans fantaisie, quoi. Allez. Chemise blanche. Point noir. 16 sur 20. Hop. On a. Attention, celle-là, c'est le modèle pour les fans de fleurs. Le côté tournesol, si je me trompe pas, de la chemise. Donc on a du bleuté pour ceux qui viennent du sud. On a le côté créatif de la verdure, des fleurs, du paysage. Qu'est-ce que tu me dis, toi qui aimes du coup les choses simples au niveau des chemises? Ça me fait penser à une chemise Animal Crossing, là, un peu. Ça peut passer. Si tu joues beaucoup Animal Crossing, si tu joues avec ça peut te mettre dans l'ambiance. C'est en cosplay. Voilà. Un petit 15. Ouais, un petit 15, je pense. Donc 7. Ça reste quand même assez sympa. Ouais. Bah, alors, les fleurs sont quand même particulièrement dessinées bizarrement. C'est des Ça pétales un fait peu très dessin chelous. d'enfant, Bon, quoi. Ah, oui, c'est ça, ouais. on part sur un 13. Tournesol. On part sur un 12 ou un 13?
Allez, on va dire 13 parce qu'on ouais. Dit... En vrai, les couleurs sont jolies quand même, mais okay. C'est dessiné. Disons qu'ils sont originales. On va dire ça. Alors, vous avez la chemise flashy jaune avec des sucettes en cœur, des mâles et femelles retournés. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose de quali en termes de coloris. On a du jaune. Personne ne met des chemises oui, jaunes, sachez-le. En fait. Mais nous, on les met. Ça ouais, fait cartoon. Ouais. Des bananes, des bouches ouais, ouvertes. Ouais, la fête foraine, c'est bien. Hein. Fête foraine, voilà, on peut faire des événements entre amis, des anniversaires pour des gens de 12 ans, les par enfants, exemple. Ouais. Voilà. Faire le clown, c'est ça. Moi, pour moi, je mettrais entre 12 et 14. Ouais, j'irais. Ouais, pour... ouais, 13. Allez, entre 12 et 14, 13. Donc, on va ouais. Mettre jaune. Allez. 13. Chemise malabar. Ah ouais, ils sont vénères, les gens. C'est vrai. Alors, encore une fois, pour ceux qui aiment les fruits et qui en mangent plus de 5 par jour, vous avez la chemise pour tout fruit confit. Donc vous avez les bananes, vous avez les ananas, on a des petits arbres. Voilà, on a la chemise multicolore. Voilà, celle-là, c'est vraiment pour ceux qui aiment les chemises sobres. Vous avez tout dedans, hein. Il y a tout. Il y a des citrons aussi, je crois, de là. Ah. Pareil, si t'es serveur dans un smoothie bar, c'est pas. Voilà, on est d'accord. Genre, tu, là, imagine-toi, tu t'appelles Brian, tu es au bord de l'eau, tu sers des smoothies dans un bar, comme ça, là, avec 100 places devant toi, tu as un petit short marron, avec les 100 clettes. Là, tu es plutôt pas mal. On ouais. Est sur un. Moi, pour moi, je mettrais un bon petit 15 ou 16, là. C'est, ouais, voilà, multivitamine, petit. Voilà, on est en forme, quoi. Voilà, là, ça tu les gens bien. Du peps, tu veux les régaler voilà, avec un bon burger, ça. Un bon. Multivitaminé. Moi, pour ouais, moi, je mets une 15. On va mettre ouais, une 15 ouais. Pour 15. Les vitamines. Je suis d'accord. Les vitamines, on va mettre un 15 sur 20. Alors, celle-là, c'est celle que ma copine déteste, à force de m'avoir vu avec. Voilà, je l'ai mise 46 millions de fois. C'est la chemise, du coup, version un peu zébrée, avec des rayures de tigre, noire et rouge. On est sur quelque chose de standard. Ça passe très bien. On me dit souvent que je ressemble à Magnum quand je la mets. Du coup, quelle note tu lui mets, monsieur Sansa ? Alors, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Le style là, moi, j'aime bien. Donc, un bon 18. Ouais, 18-19. Après, on en ouais, voit souvent. Ouais. Je vais plus rejoindre Charboli et. Et dire qu'elle a vomi. J'aurais plus tendance à baisser parce que le rouge est très agressif. Et on voit que tu l'as beaucoup porté. Ouais, la couleur elle est un peu. Décolorée. Elle est malade. Elle a bien vécu. On lui met un petit 16. Allez, pour te faire plaisir. Oh, on sent que ça a été ta chemise mettre... préférée pendant longtemps. Ça a été la chemise Magnum, celle qui a créé bah, du coup l'ambiance des chemises. Donc on va mettre un bon. Allez, un petit 15 sur 20. Allez. On est parti encore une fois sur la. Ah non, mais d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'était des pissenlits, c'était pas des tournesols, je crois, non ? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, là, c'est des tournesols. Voilà. Chemise de tournesol avec des motifs dans tous les sens. Voilà, celle-là c'est vraiment pour les soirées avec du shampoing quoi. Ouais, en vrai elle passe. Hein. En vrai, elle ça passe va, bien. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Un petit 18 ouais, 18 franchement, ouais. Ouais. Non, non, ouais, franchement. Allez. Ouais. Tournesol. On va la mettre tournesol blanc. Une 18 sur 20. Allez, on est bientôt fini, les amis. Bon, celle-là, je vous les fais pas noter parce que c'est des trucs classiques, c'est des trucs que t'achètes n'importe où. Hop, ça c'est moisi, ça c'est des chemises de merde. Voilà. Là, on revient sur de la spécialité. Donc, on a des feuilles mortes. On est sur du bleu marine, bleu gris, avec des petites feuilles. Celle-là, très originale. Vous partez en bateau de croisière avec un petit chapeau. Ça passe voilà. Nickel. La petite casquette. Pas oublier les Ray-Ban. Ouais, moi celle-là je la trouve vraiment vraiment. Moi je mettrais une 17. Ouais, ouais. Oui, hein, voilà, ouais. Même chose. Hein. Ouais, ouais, elle est sobre mais elle est très très jolie. Les motifs sont assez bien dessinés. Elle est harmonieuse au niveau ouais. Des formes et des couleurs. Allez, 17 sur 20. Alors, on a une chemise aussi qui est portée depuis très longtemps. C'est la chemise du coup Teddy Smith avec du bleu marine, des petites fleurs comme ça. Là, on est sur quelque chose de type. Voilà. Banjo au bord de la plage, ananas, framboisier, on a tout. Là. On a tout dans les chemises.
petit chapeau de paille avec. Ouais, enfin, 17 voilà. aussi, moi elle me plaît. Hein. Petite fleur, ouais. c'est ouais. léger. Là, pour aller à Miami, c'est parfait, là. Voilà. Un petit 17 ? Ouais. Si on surfe avec la petite chemise. Allez. Non, elle est très bien. Voilà. On va mettre feuille bleu foncé. 17, surveille. 13, pas plus. Il y en a, ils ont pas l'habitude de mes chemises, je crois. Alors, okay. alors attention, celle-là, c'est le modèle de Fou Furieux. Il y en a qu'un qui a acheté ça, c'est moi. Préparez-vous. C'est la chemise ourson, messieurs, dames. Regardez, la communauté de Gob GG devrait tous la porter. C'est la chemise Gobinours. Regardez-moi ça, des petits oursons. Il y en a avec et sans tête. Voilà, celle-là, elle est incroyable. C'est le modèle... Il y en avait un, c'est la pièce unique. Hein. Je suis le seul en France à l'avoir. Ils l'ont vendu exceptionnellement pour moi. J'ai peur que ça traumatise les enfants, hein, que la tête soit pas sur le corps, hein, quand même. C'est vrai que j'ai pas compris pourquoi ils l'ont détaché, mais... C'est un bon 14, non, celle-là ? Elle ouais. est mignonne. Ouais, c'est... mais c'est tout. Elle est en pyjama, elle est top, hein. Voilà. Okay. Donc, pyjama, ourson, on va mettre un 14. 14 de surveille, on va mettre un petit bémol justement parce que la tête est décapitée, ça fait un peu trop. C'est un peu cringe quoi, mais. Voilà. Donc là, on a des chemises classiques, chemises classiques, chemises classiques. Ouais, c'est plus du classique. Donc... Mais c'est bon, messieurs, dames, vous avez voté pour l'entièreté des chemises. Je vais les repositionner à leur endroit initial. Après, bien évidemment, j'en ai d'autres, mais ils sont très peu originales. Donc je les remets. Est-ce que du coup on prendrait pas tout ça ouais. entre 18 et 19 pour choisir Faut mettre une 20 là, ouais. Là, parce que là, on n'a pas de gagnant. Dedans, hein. Là, c'est ça, là, faut en mettre une. C'est quoi ta préférée, toi, pour le moment? Ah, les ananas, ouais, elles étaient pas mal quand même. Bon, on va maintenant parler. Attends, je vais ouvrir un autre truc. Word, tac. On va ouvrir une autre fenêtre. Tac, voilà. Tac, et on va les noter en classement du coup. Et vous allez valider le résultat final sur le chat. Hop. Du coup, on a la meilleure note, c'est un 19, je crois. On n'a pas trouvé encore les. Ouais, on n'a pas la chemise. On a celle-là, on a celle-là. Oh merde, il y a celle-là aussi. Attendez. Il y en a trois. Celle-là, elle est incroyable. C'est la chemise tête de mort liserée. Donc c'est du bicouleur. On a du noir et du violet. Voilà, c'est tête de mort sur le côté gauche. Et là, on a des barbelés ici. Des barbelés, ouais. Voilà. Du coup, celle-là, vous lui mettez combien ? Alors, derrière, il y a quand même ce côté un peu damier où il y a du violet ici. Elle est incroyable, celle-là. Ça, c'est du One Piece sur 20, là, j'ai l'impression. C'est, le truc, c'est du 19, ça, non ? C'est... Tête de mort. Moi, je mets 18. Ouah, ça spamme les 20, ouais. Ouais, 18, allez. Bon, du coup, on a, pour l'instant, la chemise verte couleur 19 sur 20. Donc, c'est celle-là qui est faite pour les apéros. Attends, d'ailleurs, vous la voyez plus, là. Il faut que je remette un full screen. Ok. Alors je vais la mettre là, tac tac. On a donc chemise verte couleur, on a ananas noir, tac. On a la banane aussi, hop. Est-ce qu'il y a un autre 19? Non, maintenant on va passer au 18. Donc on a un autre ananas ici. 18. Tournesol blanc. 18 ici avec la tête de mort. On a le 17 avec le néon. Chemise noire apéro. On a le modèle Picasso. On a la feuille bleue. Le 16. Chemise flamant rose. On a le zèbre. Il y a la fleur en 18 sur 20. Ah merde. Elle est où la fleur? Ah ouais. 18. Hop. Donc là c'est le côté zébré. 16.
On a le 15. Chemise de diable. Chat noir. Bien évidemment, le monteur rajoutera un screenshot de chaque chemise à chaque fois que je prononcerai l'appellation. Voilà, il va être content comme ça. C'est pour faire un rappel visuel à ceux qui regardent. Hop. Rouge, noir, hop. 15. 14. Il n'y a pas eu de notes en dessous de 14 en vrai, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a la léopard pour les soirées déguisées. J'ai oublié une et blanche point noir. Ah, attends, j'ai oublié la blanche point noir. Ah oui. Déguisée, mais pas trop. Tac. Léopard 14. Elle est où, léopard? Hop. Avec l'ourson, l'ourson que vous n'avez pas apprécié, je suis déçu, l'ourson décapité. Je pense que c'est l'effet décapité qui a pas réussi à avoir une prise contente. Ah, l'effet, et le carlin aussi, vous avez détesté le 13. Le tournesol aussi, tournesol version DCM pour enfants. Le jaune du coup avec ouais, le côté un peu peps. Et vous avez après en dessous 12, et il n'y a pas eu de 12 je crois. Ah si, il y a eu la street violette. Il y a des chemises, faut quand même les assumer après quoi. Ouais. 11. Y a pas. Y a eu une 10, je crois, si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'on avait mis 9 parce que le chat spammait. Ah oui, c'est la chemise McDo. Et McDo, ouais. Voilà, on a le classement, messieurs, dames. Officiel. Hop. Le classement officiel qui est sous vos yeux. Du coup, hop. De... Bon après y en a ils sont à égalité quoi, mais Faut en passer une à 20 quoi. On a un top 3 à 19. Ouais. 7. Réussir à vraiment faire le top 3 du coup. Mais je crois que Shazam est en train de faire un pôle pour les 19 chemises. Faut vraiment les classer. C'est fou furieux. Hop, 12. 13, 14, 15. En plus, le pire, c'est qu'il y en a, ils vont penser que c'est un partenariat, mais alors que je fais pas du tout un partenariat avec eux, quoi. Il y en a qui demandaient des réductions, là. Ouais. Mais j'en ai vraiment beaucoup des chemises, je suis déjà à 20, quoi. Ah, du coup, il y a un pôle en cours sur. Quelle okay. est la chemise des 19 que Shazam a... Voilà, donc on a le classement de 26 chemises. Voilà, maintenant, est-ce qu'on leur demande directement, est-ce qu'ils valident ou pas le classement ou pas? Ananas en tête là. Ouais. Et c'est ananas bicolore. Ouais, c'est la noire et blanche. Je pense qu'Ananas... Ouais, ouais, moi je penchais pour elle, mon avis. Moi j'ai voté la sobriété, j'ai mis la verte et... Verte, orange, rayée. Allez, je rajoute mon vote. La chemise des 19, ça veut dire quoi ça, la chemise des 19? C'est dans les 3 premiers. Ah ok, en gros la préférée, c'est ça? Ouais. Celle qui mais... passera à 20. Ah, la noir, noir et black, c'est laquelle? C'est la ananas noir et black. Ah oui, c'est bon, ouais, je vois, c'est la bicouleur. La bicouleur, ouais. C'est ça. On va avoir le classement 1, 2, 3 du coup. Ouais, là, c'est ananas. La banane. La banane, elle a plu. Hein. Et la verte ouais. couleur, donc c'est celle que du coup, toi, tu aimais bien parce qu'elle était classe. Voilà. Bon, on me donne les 3 chemises, du coup, regardez, pour valider. Du coup, celle-là, c'est la chemise classe, tranquille, quoi. On a la chemise banane et la chemise ananas bicouleur avec le côté blanc à la moitié de la chemise. Mm. Pour rappel. On a 52% celui-là, ananas, hein, c'est propre. Voilà, ananas. Donc on a ananas en premier, donc on va le mettre en 1. Celui-là. Et la deuxième, c'est banane. 2 ouais. et 3. Hop.
Let's go. Voilà. Ben, bon, après les autres, on s'en fout qu'ils soient égalité ou pas. Dans tous les cas, on a le top 3. Du coup, vous avez trié les chemises suivant vos préférences. Maintenant, je connais, je vais bien évidemment enregistrer ce dossier, comme ça je saurai quelle chemise mettre en premier, vu que vous préférez celle d'en haut. Et d'ailleurs, est-ce que tu as validé là, l'ordre des chemises? Non? Ok, ah oui, bon. Ah non. Bref. Voilà, bon, merci beaucoup, monsieur. Du coup, monsieur Sandy. Sanzo. Attends, quoi? Voilà, bon, mais merci beaucoup pour ton avis critique, ton avis de personne qui n'aime pas forcément les chemises, et merci Luxia d'avoir fait le déplacement pour nous donner ton avis féminin. On a tout ranked, et d'ailleurs, si tu regardes la vidéo sur YouTube, bon, c'est une vidéo basée sur la connerie, donc n'hésite pas à me faire aussi ta chemise préférée dans le chat, dans les commentaires, je regarderai laquelle est ta préférée. Voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, c'est un concept assez original, mais on verra si ça vous plaît. Ciao, ciao.